Bonjour Ténard Tchèque. Ouais, ça veut dire quoi? Mais ça va, on est là, Yaoundé. Djoum djoum, il faut du mongo. Djoum djoum djoum, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ce que qu'est mongo ça. Ténor. Ça dit quoi, Florelle? Ténor, je suis très contente de te rencontrer parce qu'on parle beaucoup de toi et j'ai hâte de savoir qui est le vrai Ténor. Ténor, c'est mongo moya, Thierry. J'ai 23 ans cette année. Mon anniversaire, c'était le 11 avril passé. J'ai 23 ans cette année, je suis un artiste de musique urbaine, je kiffe le rap, j'aime aussi beaucoup me documenter, j'aime Flop the Way, tu vois, non? Disons que je suis simplement moi, c'est-à-dire que les mystères qui sont mis autour de moi, ce sont des mystères que les gens aiment encore plus mystifier, sinon je reste simplement moi. Et que tu aimes aussi un petit peu mystifier, je crois que tu aimes aussi un peu provoquer, ça fait partie du game, non? Bon, après, bon, disons que c'est des trucs que je kiffe perso. Mais vu que je vois qu'il y a un peu de trucs que les gens kiffent aussi dessus, je suis obligé d'appuyer le bouton déranger et d'abuser. Le gars est parfumé, la go est bien serré, tout ça parce qu'il vient déranger. Les bouteilles, la table est salée, moi là par rotage, je prends un bombe ce soir, c'est pour déranger. Chérie, le gars là ne te choque pas, pourtant celui qui l'est, ouais, donc il veut déjà déranger. Welcome to the ABE Studio, aka Bowser Entertainment. Come. Merci. Ok, on y va. J'ai signé sur toi, donc ne fais pas la belle. On voit le contrat, t'es mon nouveau label. Entre dans la caisse et combat à la pierre. Le premier, je te mettrai pas dans la poubelle. Femelle, idée, allemand, occasionnel. Sois original pour l'original. C'est moi le père, sa mère. C'est moi le. Hey! Bravo, 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 bravo. C'était du lourd, comme on dit. Saleté ici. On s'assoit. On va parler un peu de ce premier album. J'ai du mal à croire, en fait, que tu prépares ton premier album. C'est vrai que quand tu as sorti plus ou moins 30 singles, tu vois, tu n'es plus vraiment comme un artiste qui prépare son premier album. Mais effectivement, je prépare mon premier album. Et comment s'appellera ce fameux premier album? C'est quoi le nom de l'album de Ténor? Je pense que j'ai déjà donné le nom. Redonne le nom. Non, c'est bien qu'il faut que les gens réécoutent tout. Parce que j'ai prononcé ce nom pendant tout notre temps. J'ai fini sur la E, F, c'est comme si on est en cours. J'ai déjà défini les bases. H, c'est comme la lune avant le jour, là je vais tout automatiser. Ténor, on est où là? Bon, là on est en Comont. C'est dans ce quartier que je suis né et que j'ai grandi. Donc là, on va aller dans la maison de ma tante. Je vais vous raconter deux, trois petits trucs super intéressants sur ce que j'ai vécu dans cette maison. Bon, Ténor, ça te fait quoi de revenir ici? Ah, ça fait du bien, non? Tu te sens à la maison. Tu vois, c'est plus paisible pour moi qu'un hôtel 5 étoiles. Armel, est-ce que quand il était petit, Ténor, c'était déjà la musique? Est-ce que tu savais que déjà, il allait faire ça? Parce qu'il rappait, il rappait tout le temps. Il portait les habits des rappeurs, donc il a commencé ça depuis. Tu chantais déjà ici? Oui, non, oui, mais par exemple, quand j'avais fait Yafé pour la première fois, c'est ici que je dormais. Le premier spectacle que je fais à la Case des Arts, c'est ici que je dormais. Les premiers textes de rap que j'enregistre, les Dorobuchi, Magida, c'est ici que je les ai écrits. Et il y a énormément de choses que j'ai fait par rapport au rap. Parce que moi, je n'habitais pas à Yaoundé, j'habitais à Edea. Et quand je venais à Yaoundé, je n'avais pas un toit. Et la maison de ma tante était toujours là pour m'accueillir.